C'est le 13h, bienvenue à toutes et à tous les titres. Les citoyens béninois ne disposant pas de la carte LEPI peuvent accomplir leurs devoirs civiques le 17 mai prochain. Une décision du gouvernement saluée par les acteurs et citoyens. Sensibilisation des préfets et maires des départements et communes traversés par le projet de construction de pipeline Export Niger-Bénin. Une démarche qui vise la bonne marche des travaux. Et puis, première session ordinaire du conseil municipal de Parakou. Au titre de l'année 2020, le maire Charles Toko et les conseillers satisfaits du travail abattu. Merci de nous choisir pour vous informer. On démarre cette édition par les dates des examens de fin d'année scolaire 2019-2020. Elles ont été rendues publiques à travers un arrêté ministériel interministériel publié ce mardi 3 mars 2020. Selon la programmation, ce sont les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC qui ouvriront le bal. Ils composeront du mardi 2 juin au jeudi 4 juin 2020. Pour les apprenants du cours moyen deuxième année CM2, ils affronteront les épreuves du certificat d'études primaires CEP, y compris les épreuves d'éducation physique et sportive du lundi 8 au jeudi 11 juin 2020. Quant aux candidats au premier diplôme universitaire, ils plancheront dans les épreuves du baccalauréat, session normale du mercredi 17 au samedi 20 juin 2020. On poursuit cette édition. La carte LEPI n'est pas obligatoire pour voter pour les élections communales et municipales du 17 mai 2020, selon l'arrêté du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. En application de cette disposition, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a pris le 27 février 2020 l'arrêté définissant les pièces permettant aux électeurs de justifier de leur identité au moment du vote en République du Bénin. Que pensent acteurs politiques et citoyens de cette décision? Mathieu Bocor, Christelle Onidien, Semia Tissoufou pour plus d'explications. Par arrêté 2020, bas numéro 36 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, l'autorité ministérielle Saka Lafia a allégé les conditions de participation au prochain scrutin municipal et communal. Les électeurs ayant perdu leur carte LEPI peuvent désormais accomplir leur devoir civique. Une décision salutaire pour citoyens et acteurs politiques. Je peux vous dire que c'est une décision louable à plus d'un titre. Et vous allez admettre avec moi qu'en dépit de tout, le chef de l'État d'abord, parce que c'est d'abord le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, est un réformateur, c'est un facilitateur, c'est quelqu'un qui voudrait quand même que les populations puissent exprimer leur droit de vote en toute facilité. Cette décision, sans vous mentir, elle est louable, elle est à encourager, à féliciter. La décision prise, c'est une décision qui vient suppléer à une situation. C'est une décision qui vient compenser un manque. Et le manque, vous le connaissez. Nous sommes dans une situation nationale où il y a des milliers de Béninois qui ont soit égaré leur carte d'électeur et souvent, ils n'ont pas fait la démarche qu'il faut au bon moment pour avoir une carte qui leur permet donc de voter. Donc, on peut estimer que dans ce cadre-là, il ne s'agit pas de dire aux Béninois n'allez pas voter avec des cartes d'électeur, mais plutôt, c'est une décision qui vient compenser une situation. En effet, l'arrêté renseigne que les citoyens peuvent le 17 mai prochain justifier de leur identité au moment du vote à travers la carte d'identité nationale, le passeport, la carte d'identité professionnelle pour les personnes en uniforme et bien d'autres. Si pour certains, ces nouvelles mesures semblent être politiques, ce n'est pas le cas pour Aro Ibrahim Koro et Gilles Hundolo. Il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Nous sommes dans une république qui pense au bien-être et au mieux-être de sa population. Et l'objectif, c'est d'amener tout le monde à participer au processus électoral. Alors, aider les gens, même s'ils arrivaient à perdre leur carte électeur, de pouvoir prendre part au processus électoral, c'est très bien. Je pense que là, ce n'est pas... Écoutez, on est entre nous, hein, parfois quand les gens n'ont pas ce qu'il faut brandir à des moments donnés, quand il manque, you know, quand il manque d'idées, il gèle sur tout. Il frappe sur tout, il tape sur tout. C'est mauvais. Et quand vous voyez, c'est bien dit au niveau de l'article 12, donc du code électoral. Ce n'est pas un truc qui a été inventé par le ministre. Alors, la décision du ministre vient juste apporter un peu
de clarification par rapport à cette décision. Vous savez, nous, Béninois, on cherche toujours le pourquoi de quelque chose. Mais moi, je vous dirais, mais écoutez, mieux vaut tard que jamais. Si hier, on n'a pas eu cette géniale idée, on ne va pas s'en vouloir pour ça. Mais aujourd'hui, qu'on a eu une idée qui ne fait que nous, ça nous fait avancer. Ce n'est pas une idée qui remet en cause nos acquis. À partir de cet instant, le pourquoi, moi, pour moi, ce n'est pas une question pertinente. Il vaut mieux reconnaître que c'est une avancée. Et puis bon, sur cette base, c'est la démocratie qui en sort grandie. Outre les inquiétudes, l'acteur politique Gilles Rundo le rassure. Il faut qu'il se mobilise et que ceux qui n'ont pas de carte d'électeur, ou du moins qui ont égaré leur carte d'électeur, doivent se réjouir. Et ça nous donne davantage de confiance. On est davantage rassuré. Comme quoi la démocratie marche au Bénin. Je voudrais, si c'est possible, que le ministre puisse ajouter que désormais, même avec la carte d'étudiant, qu'on puisse, d'accord, voter. L'enregistrement des déclarations de candidature aux élections communales et municipales de mai 2020 est ouvert du 2 au 11 mars 2020. À la date du 3 mars 2020, aucune candidature n'est encore enregistrée, quand bien même l'équipe commise par la Sénat pour la réception des dossiers est bien prête. C'est ce qu'on peut retenir des propos de Soulé Adam, membre de la SENA et de la direction des études et confection des documents électoraux. Nous l'écoutons. Nous sommes prêts et nous attendons. Nous attendons le premier. Et nous n'avons pas encore vu un seul parti politique venir ici à la SENA. Pour recevoir les dossiers, c'est un travail que nous avions commencé depuis bien longtemps. En ce moment, nous sommes prêts. Nous avons une équipe qui attend. Un parti se présente avec sa déclaration de candidature par la loi. Chaque parti politique qui veut aller aux compétitions doit amener 1815 candidats titulaires et 1815 candidats suppléants. Donc la liste qu'ils vont apporter doit comprendre les 3630 noms avec le dossier individuel de chacun des candidats. Donc la première étape va consister à vérifier que la liste de candidatures comporte effectivement le nombre de candidats qu'il faut. Maintenant, pour chaque candidat également, il y a un certain nombre de pièces qu'il doit produire. Ils sont au nombre de 8 par candidat. Et donc le travail de complétude va consister à vérifier que pour chaque candidat également, il y a les 8 pièces dans chaque dossier individuel de candidat. Après cette étape-là, la Sénat maintenant va se pencher sur l'examen quant au fond des dites pièces pour voir si elles sont conformes à ce que la loi a prévu, si les détails concernant chacun des candidats sont conformes avec l'ensemble des documents qu'il a et que la Sénat lui donne le quitus, le OK pour passer aux élections. Et de par la loi et des dispositions qui ont été prises au niveau de la Sénat, nous attendons les dossiers au plus tard le 11 mars 2020. Bon, après cela, maintenant, nous appliquons la loi qui donne un délai à la Sénat pour examiner chaque dossier et informer le parti politique qui a déposé la liste que le dossier est accepté avec les insuffisants qu'il y a. La loi permet à chaque parti politique qui a déposé une liste de corriger des insuffisants qu'il y a dans le dossier. Maintenant, s'il y a des insuffisances, c'est vrai qu'ils auront 3 jours pour corriger les insuffisances. On espère que dans les jours à venir qui vont arriver, et nous ne ferons pas le coup d'attendre le dernier jour avant tous de se ruer à la Sénat pour créer un embouteillage. Mais de toute façon, même s'il y a un embouteillage, même si tous les partis venaient le même jour, nous avons suffisamment de ressources humaines pour faire le travail. Il y a des équipes qui sont formées pour recevoir les candidats, donc il n'y aura absolument aucun problème. Ce mardi 3 mars 2020 s'est tenu à l'InfoSec de Cotonou un atelier de sensibilisation des préfets et maires des départements et communes concernés par le projet de construction du pipeline Export Niger-Bénin. Ce projet vise à exporter le pétrole brut nigérien vers le marché international. Le lancement officiel de cet atelier a été fait par le ministre de l'Eau et des Mines, Anthony Adossa, Edouard Kapo y était. Voici le compte-rendu. C'est le moment de présenter aux préfets et maires des départements et communes la loi portant régime juridique, fiscal et douanière applicable au projet pipeline d'exportation d'hydrocarbures Niger-Bénin. Ceci après la signature d'un protocole d'accord entre les deux nations et le vote de l'accord bilatéral relatif à ce projet. Un projet financé entièrement par la société WAPCO Bénin. Durant cette journée de travail, l'objectif principal sera de vous donner un aperçu sur le projet de pipeline Export Niger-Bénin et sur le contenu de la loi de projet. Un accent particulier sera mis sur votre implication, votre rôle dans la réussite du projet, notamment dans la procédure d'expropriation des terrains nécessaires au projet, mais aussi dans la mise à disposition des terrains à titre temporaire pour les aires de stockage et de base de vie durant les travaux de construction du pipeline.
D'une valeur de 608 milliards de francs CFA, l'infrastructure sera construite sur une longueur totale d'environ 2000 km, dont 675 km sur la section béninoise. L'ouvrage traversera 17 communes de 5 départements dont l'Ouémé, le Plateau, les Collines, le Borgou et la Liborie. Des mesures sont prises afin que le projet soit réalisé sans difficulté. Conformément à l'AGH, l'État béninois s'est engagé à prendre toutes les mesures conformément au droit béninois afin de s'assurer que les terrains nécessaires au projet et les autres terrains nécessaires au système de transport béninois seront libres de tout droit de tiers et prendre toutes les dispositions nécessaires et conformes au droit béninois afin d'accorder à la société de projet bénin tous les droits nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de transport béninois et de toutes les installations auxiliaires sur ces terrains conformément aux conditions prévues par le droit béninois. C'est à ce titre que la loi de projet a déclaré d'utilité publique les terrains détenus à titre de propriété privée, y compris les terrains faisant l'objet de droits coutumiers, compris dans le périmètre des terrains nécessaires au projet, et défini les procédures particulières devant gouverner leur expropriation. L'autorité ministérielle a ici rappelé aux participants à cet atelier de sensibilisation l'intérêt et le rôle qui sont les leurs. Je voudrais vous inviter à garder à l'esprit l'intérêt de notre pays à abriter cette infrastructure d'envergure et jouer pleinement, chacun en ce qui vous concerne, le rôle qui est le vôtre pour une mise en œuvre aisée de ce projet qui contribuera au renforcement du tissu économique, source d'une croissance économique soutenue et au rayonnement de notre pays, le Bénin. Ce projet Pipeline Niger-Bénin est un projet d'envergure qui va créer des centaines d'emplois et par ricochet, booster le développement économique. À la fin de la cérémonie, les autorités au niveau déconcentré se sont prononcées sur la nécessité de faire comprendre le projet aux populations à la base. Pour eux, le bon déroulement des travaux en dépend. On les écoute. On est en train de parler d'un projet important, d'un projet espoir entre le Niger et le Bénin. Il s'agit d'un projet, n'est-ce pas, de pipeline qui va vraiment drainer assez de ressources financières, mais également assez de ressources humaines. Il y a une séance de sensibilisation qui a été faite, mais il nous revient, n'est-ce pas, dès notre retour. Parce que le premier travail à faire, c'est au niveau, n'est-ce pas, des maires. Que les maires identifient très rapidement par rapport à l'emprise, n'est-ce pas, du projet, des terrains qui puissent accueillir, le matériel, des terrains de stockage, et également pour qu'on puisse, nous autres préfets, sur la base, n'est-ce pas, des délibérations qui seront faites par les conseils communaux, pour qu'on puisse vraiment prendre des actes d'expropriation, n'est-ce pas, de ces domaines en question. Je vois que c'est une très bonne chose que d'inviter les maires, de les informer. Et maintenant, nous, puisque forcément, il y aura des gens qui seront certainement expropriés de leur domaine, de leur parcelle, comme vous dites. Alors, il faut, vous savez, le col béninois, pour être responsable de la commission en charge du foncier au niveau de l'ANCB, je comprends encore que le Béninois est jaloux vraiment de son domaine, de sa terre. Donc, il faut vite informer les populations pour qu'elles sachent à quoi s'en tenir. Des populations de ma commune, j'attends qu'il y ait une bonne compréhension d'abord du projet et un accompagnement aisé pour la réalisation de ce projet-là. Parce que, vous vous en doutez, ça va traverser des propriétés des gens. Si je prends le pipeline de Bemberek, sur 80 km, forcément, ça va traverser des champs, des rivières, des forêts, et peut-être des plantations, même peut-être certains villages qui sont éloignés. Parce que, si je prends le cas des Peuls, qui habitent toujours en brousse, ça peut les affecter. Ça peut affecter carrément un village où ils sont obligés de se déplacer. Donc j'attends un accompagnement, ça a une compréhension très poussée de ce que va être ce projet-là et de ce que va être l'impact positif de ce projet-là sur notre économie et qu'ils acceptent le dédommagement qu'on va leur proposer afin que le projet soit réalisé dans les délais convenus déjà par la société.
Direction Parakou à présent, sur invitation du maire de la ville Charles Toko, les conseillers municipaux de la commune ont pris part ce lundi 2 mars 2020 à la première session ordinaire du conseil municipal au titre de l'année 2020. Cette rencontre s'est tenue à la mairie de Parakou. Reportage, Rolini Djaito Makekapo. C'est la première de l'année 2020 et sans doute la dernière de la mandature du maire Charles Toko avant les élections communales et municipales de mai 2020. Ce sont les conseillers municipaux qui ont répondu par l'affirmatif à la convocation de l'autorité à participer à la première session ordinaire de l'année 2020. L'adoption du plan directeur d'urbanisme de la commune de Parakou pour l'horizon 2034 et l'adoption de la modification de la délibération relative au choix du projet communal à réaliser avec les ressources du projet ACES sont entre autres les différents points inscrits à l'ordre du jour. Il a été question de suivre un résumé de travail fait par un cabinet relativement au plan EDU dont le processus a été mis en œuvre depuis bientôt 2 ans. Et donc au terme, il fallait avoir l'approbation des conseillers, ce fut le cas. Nous avons eu droit à se pencher sur un projet porté par les tradis praticiens du département du Borgou. Le constat amer qu'ils ont fait, à savoir la disparition de certaines essences végétales d'importance. Le conseil municipal de Parakou a pu retenir la création de 3 jardins botaniques à raison d'1 par arrondissement. Le maire Charles Toko, fier de ses performances, souhaite la réélection de tous aux prochaines élections communales et municipales de mai 2020. Cette première session ordinaire des conseillers municipaux de l'année en cours a été l'occasion pour lui de formuler officiellement ses adieux. C'est alors le lieu et le moment de nous remercier, moi y compris, pour ce que nous avons pu faire durant ces moments passés ensemble. Du maire Souradjou au maire Charles, le conseil municipal de Parakou a impacté positivement et à la hauteur de ses capacités le processus de développement local. Et comme le pensent les Chinois, il faut pouvoir s'en vanter, voire s'en féliciter, sans forcément attendre que les autres le fassent à notre place. Simplement, merci pour ces années de sacrifice et de dur labeur. Je dois également reconnaître et souligner votre attachement à la paix et à la cohésion sociale, car malgré nos différences politiques, nous avons réussi à travailler la main dans la main, dans une ambiance bon enfant. C'est la preuve qu'autour des sujets de développement, nous sommes parvenus à nous mettre au-dessus de la mêlée. Tout n'a pas été rose non plus. Certains résultats n'ont pas été à la hauteur de nos espérances, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que nous avons ouvert le chemin à la toute prochaine équipe qui pourra évoluer de manière rassurée au nom du principe de continuité de l'action administrative. Il y a un peu plus de 3 ans que vous m'avez confié les destinées de cette ville. Consciemment ou inconsciemment, mais beaucoup plus inconsciemment, j'ai dû faire des torts à certains d'entre nous. Le cas échéant, je présente mes excuses et explique que ma seule vision n'aura été de faire bouger les choses pour le succès de notre bilan commun. La première session ordinaire de l'année 2020 marque ainsi la fin de la 3e mandature des conseillers municipaux de Parakou. Rendez-vous est donc donné, sauf circonstances exceptionnelles, en juin 2020, après les élections du 17 mai prochain. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Les responsables du journal des étudiants du Bénin, le Héros, ont procédé au lancement des activités pour le compte de l'année 2020. La cérémonie a été couplée avec l'accueil des étudiants de la promotion de cette même année. C'était ce vendredi 28 février 2020, en présence des anciens stagiaires et cadres de l'université d'Abomey-Calavi. Le point de la cérémonie, c'est avec Stélia Padounou et Aliou Antoni. Je m'en avec dignité, probité et assiduité, le héros et les textes qui le régissent.
Main gauche levée, celle droite contre la poitrine, ces jeunes stagiaires de la promotion 2020 s'engagent à ICO, le flambeau du journal Le Héros. Le premier journal des étudiants du Bénin qui, depuis 1988, forme des jeunes qui constituent pour la plupart de la ressource humaine au service des organes de services publics que privés. À cette cérémonie qui marque la rentrée journalistique et l'accueil des stagiaires de la promotion 2020, c'est le lieu de rappeler les défis de l'heure. Placé sous le thème « Le journaliste dans l'entrepreneuriat du numérique », cette cérémonie annuelle vise à permettre aux stagiaires de renouveler leur attachement au respect des textes qui régissent le fonctionnement du journal Le Héros. Il n'est plus un secret pour personne que le passage du numérique s'impose à tout journaliste. La promotion 2020 ne restera pas en marge dans cette nouvelle technologie. Dans cette lancée, le journal Le Héros fera publier sur son site internet tous les articles des stagiaires et des journalistes concernés. Ces jeunes, après 2 mois de formation à l'interne, sont révélés à la face du monde pour ainsi annoncer à tous leur appartenance au cercle des hommes de la presse. Les devanciers rappellent la complexité de la tâche qui leur revient. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour que vous ayez le background, le béaba du métier. Mais le reste, il est à vous. Mettez cela en application, chers jeunes frères, chers confrères, désormais je viens de dire. Parce que, chers parents, ne pensez pas que cette pépite ira au chômage. C'est faux. Il n'y a aucune place au chômage pour vos enfants. En tout cas, pas dans ce monde. Conscients des réalités et des défis qui les attendent, ces nouveaux membres rassurent de leur disponibilité et détermination à entamer une carrière journalistique. Notre passage dans votre journal est primordial pour notre avenir professionnel et personnel. Et nous sommes certains que les activités du journal auxquelles vous comptez nous associer ne pourront qu'accroître nos références et nous permettre d'approfondir nos connaissances et compétences. Nous ferons donc de notre mieux pour donner une entière satisfaction aux tâches qui nous seront confiées. C'est le moment pour nous de remercier une nouvelle fois le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, professeur Maxime Dacrous, qui a accepté d'être le parrain de notre formation. Promotion 2020, la chaleur de la compétence. Promotion 20 sur 20, l'avenir du passageur. En journal Le Héros, c'est les pas des champions. Le Héros a tous les gens. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. À bientôt.